tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Team Monster Trap TV, l'émission du mois de mai. Je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver pour notre quotidienne sur l'émission 100% Ball Trap, 100% gratuite du Team Monster Trap TV. Tout de suite, le sommaire du jour. Souvent, au début d'émission, je vous dis que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Il était temps de vraiment poser les choses. Grâce à ce graphique, vous allez vous rendre compte de l'évolution de la chaîne. Et effectivement, le résultat, vous êtes de plus en plus nombreux. Nous avons passé les 7500 vues. Vous êtes présents sur YouTube, présents sur Facebook. Alors continuez. Nous, on vous remercie de votre fidélité et en espérant que cette histoire continue le plus longtemps possible. En attendant, merci à vous. Le mois dernier, vous avez été plusieurs à utiliser l'adresse mail teammonstertraptv@gmail.com pour nous faire part de vos demandes et notamment celle de traiter des sujets sur le parcours de chasse. Nous vous avons trouvé une sublime vidéo qui a été faite par un tireur lors de l'Euro Cash Shooting qui s'est déroulé au Solong Shooting Club en 2019. Ce tireur Ibra, que vous connaîtrez peut-être, passionné par le tir au plateau et notamment la discipline du parcours de chasse, les compacts, a cette faculté à réaliser de somptueuses vidéos. Tout de suite, la vidéo d'Ibra du Solong Shooting Club, l'Euro Cash Shooting 2019. Go!
tiens à te remercier Ibra pour la qualité de la vidéo que tu viens de nous proposer. On peut retrouver toutes tes vidéos sur ton Facebook ou ta chaîne YouTube Bram Shooting. Je voulais aussi également te féliciter car tu viens de réussir ce que peu de tireurs ont déjà fait jusqu'à présent, le doublé en 2019 Club France Parcours de Chasse et Club France Compact Sporting. Félicitations à toi! Au Team Monster Trap TV, nous sommes très attentifs en termes d'innovation concernant le matériel pour le tir au plateau. Ce mois-ci, nous avons découvert un produit par l'intermédiaire de M. Pierre Boutin de la société Shootoff. La Cross Puma que vous connaissez déjà, équipée du fameux talon TGV, talon à géométrie variable. Tout de suite, un reportage pour vous expliquer l'intégralité du produit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le fonctionnement du nouveau TGV. Voici donc les arguments principaux à l'utilisation de ce nouveau talon. Je tenais à remercier particulièrement M. Pierre Boutin de la société Shootoff qui nous a permis de vous présenter avec les supports et les vidéos l'intégralité de ce nouveau produit, le talon TGV sur la Cross Puma. M. Pierre Boutin, je le rappelle, qui est le concepteur, le créateur et le diffuseur du nouveau talon TGV, société Shootoff. Courant du mois d'avril est arrivée une très bonne nouvelle pour notre sport, le tir au plateau. Une médaille d'or, mais pas seulement, aussi un quota pour les JO. Cette médaille, on la doit à Carole Cormenier qui est allée nous la chercher lors de la finale ISSF à El Aïm. Pour tous ceux qui n'ont pas pu voir cette finale et ce podium, je vous transporte directement sur le stand avec nous, voir les derniers plateaux de Carole ainsi que son podium et sa victoire. Tout de suite en direct de El Aïm. Assalamu alaikum, as they say in this part of the world. Welcome to the United Arab Emirates. Welcome to the garden city of Al Ain and the Al Ain Shooting Club. Where is he? And now, 10 more shots. Not 5, but 10 more shots to see who will take the gold and who will take the silver. And Barr just one shot behind the French athletes. Real test of endurance, real test of mental strength here. They have to look upon it almost as a qualification shoot-off for just two people. And they really have gone on a good run, both of these athletes. Oh dear, well that might be the moment that the gold has slipped away from Kirsty Barr. Two behind now. And now the pressure equally on the French woman. Carole Cormenier, she will know, I'm sure, as a no target flies out, she will know where she is, but she needs to put that to the back of her mind as well. Oh, and another one. Well, very often
when it gets hot, just testing to make sure that's fine. The referee stepping in. When it gets hot, these clays can stick together. And that's when you can see by the rotation that it's not a good target. And we do have a good target, and that's just been hit by Courmenier. Yeah, they can stick together a little bit when it gets hotter. It certainly is hot here at the moment. I'm reading 35 degrees, but that's because the sun's come out. It's got a little bit hotter. Cooler than yesterday, though. Nicely done. Last time that the Frenchwoman got a medal was bronze, the only time in the World Cup, and that was 2016. So uncharted territory for her. Remember, two to the left, two to the right, and one straight on at random. Ooh. I think it was just a test. I think our Singaporean referee just anxious to make sure these targets are coming out nicely for these athletes. A really important juncture in this competition. Nicely done. Well, these athletes, these two have really hunkered down. Kirsty Barr needs this one to stay in contention. And has done. Five more targets left. It's a tense old time for these coaches as well. I know there was great celebrations when Kirsty Barr managed to make it into the final. And whatever happens, there'll be celebrations for her. With a quota place, both these athletes with a quota place, but both these athletes would really like to be on the top step of the podium. I would say it would take, well, we've seen it. We've seen two in a row being missed, but it would take something extraordinary from Courmenier for her not to be on the top step of the podium. We shall see. One step closer. That's the arena. These athletes are taking part in, and Barr doing what she can. Keep hitting and see what happens with the French athlete. Four more targets for each of these athletes before we get to know who takes the gold. Well, and she's almost there. She's just got to keep calm. Oh, and that's a miss. And that has more or less wrapped it up. She's three behind with three to go. And a disadvantaged bib number as well. She's number six bar. Oh, well, a miss. Perhaps the pressure is off from the French woman. Oh, Barr will be looking just to finish nicely here. Courmenier is the woman in possession of the gold. She won't want it to be on a shoot-off. Remember, the big numbers not counting in the final. And there's the celebrations. That will wrap up the gold for the 29-year-old from La Bellevue in France. Still got to get through it, though. Come on, Kirsty, the shout from somebody. I don't think it was the coach. I think it was someone in the stand behind me. A silver is not a bad return. And the Olympic quota place as well. One more shot in this final, then. The gold is decided. She will take it, but Kirsty would love to. Kirsty Barr finished with a hit. She's missed. It's all academic. It is the French woman who will take the gold medal here. Excellent work. Took a while to get into some kind of form, but a bit like a horse race. She hit the front at the right moment, and a hug from her coach. It's emotional. There are tears there beneath the glasses, and why not? A first gold medal in any competition for the French woman. She will be absolutely delighted. Ranked 19 in the world at the moment, and that's why she's feeling the emotion. That's what they have been aiming at all through, and a little smile when she knew that she had secured the gold. And then once everything was finished, a chance for everyone just to celebrate and let your hair down. And Kirsty Barr, well, celebrations amongst the British team as well. It wasn't gold, but it was silver and a quota place as well. And that's why she is smiling as well. First time she has been on the podium in a World Cup, in fact, in any IWSF
world event. So she will be absolutely delighted with that as well. And just a reminder, of course, the bronze going to Silvana Stanco of Italy. So there are the three. And the bronze podium medal goes sitters, to Italy. They will be delighted, of course. Silvana Stanco takes the bronze. Was ahead for a very long time, the world number seven. And the smile hasn't left the face of Kirsty Barr, the athlete from Great Britain, world rank number 40. She will be delighted with that silver medal, but she couldn't keep up the consistency. And it was Carole Corominier of France who takes her first ever World Cup medal. Her best before today was... Je tenais vraiment à remercier Carole, mais aussi l'intégralité du staff de l'équipe de France. Comme je l'ai déjà dit, c'est grâce à vous, c'est grâce à l'équipe de France que notre sport peut perdurer et peut peut-être prendre la place qu'il lui doit grâce à ses médailles et grâce à ses quotas. Alors félicitations à tous, encore un grand bravo au staff et surtout à l'entraîneur, monsieur Stéphane Clamens, qui lui fait aussi de l'excellent travail. Merci à toute l'équipe de France, merci à vous. Immersion dans les stands, une nouvelle rubrique. Lors de compétitions, le Team Monster Trap TV se déplace et nous avons toujours la possibilité de filmer la compétition, les tireurs et parfois aussi avoir les résultats en direct ainsi que les interviews. Ce mois-ci, trois immersions. Tout d'abord, le Grand Prix d'ouverture de la ville de Privas en 100 plateaux FU. Par la suite, le BTC Martigues avec son 100 FU. Et ensuite, le BTC d'Aiguille avec la présélection de DTL. Tout de suite, direction le Grand Prix d'ouverture de la ville de Privas.
et bienvenue pour cette présélection de DTL au stand d'Aiguille en direct avec Sébastien Vassal, donc qui vient de remporter cette présélection hors concours puisque tu étais déjà qualifié, Sébastien. C'est ça. Mais je voulais quand même te féliciter et je voulais que tu nous expliques un petit peu comment s'est passée cette compétition. Ben, un premier jour sympathique avec une météo de rêve. On avait une très bonne visibilité et aujourd'hui c'était un peu plus compliqué quand même. Ouais. Je veux juste rappeler que c'est André Winot qui gagne du BTC Bourg-Saint-Andéol, donc qui gagne la présélection. Moi je suis hors concours. Voilà. Tu finis sur un score de 588. Et tu poses 375, c'est ça, le premier jour. Ouais. Voilà. Donc ben voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses, Sébastien, plein de bonnes choses pour ta sélection. Merci. Une bonne continuation, un gars super sympa. Merci. C'est un plaisir de t'avoir et puis voilà, plein de bonnes choses et bonne chance. À bientôt. Merci. Bye. Alors, deuxième interview d'aujourd'hui, encore un qualifié pour ces sélections de DTL. Notre ami Eric Brun, félicitations Eric, tu as bien tiré. Fini ta compétition un petit peu plus difficile, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pendant ces deux jours? Ben, c'était très bien, le premier jour j'ai bien tiré pour moi. Parce que je démarre un petit peu la DTL, ça fait pas longtemps. Ouais. Et beaucoup de stress, de trac. Ouais. Et l'après-midi, ce matin, j'ai très mal démarré. Et je pensais jamais me qualifier, mais en ayant bien tiré quand même. Voilà, c'est le stress. Comme là, j'ai un peu de stress. Ouais, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Ça passe. Écoute, tu finis 9e, c'est ça? 9e. 9e. Finir en espérant rentrer Club France dans les 24 premiers. On y monte pour ça, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ouais, mais tu y montes pour ça. Écoute, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses, une belle réussite pour cette sélection. Ouais. Félicitations encore pour aujourd'hui, Eric. Bon, vous l'avez vu, hein, Eric, c'est quelqu'un que vous connaissez, un tireur 100% shoot-off, petit clin d'œil à Pierre Boutin. Voilà. Et voilà, c'est quand même, ça fait partie aussi de la réussite, j'imagine. Donc, ton tir, tout ce que tu peux véhiculer autour de toi, un mec super sympa, et puis plein de bonnes choses pour la suite. Vraiment. Merci beaucoup. À bientôt, Eric. Je tenais à remercier tout particulièrement les organisateurs de ces compétitions, le stand de Privas, le stand d'Aiguille et le stand de Martigues pour l'accueil qu'ils nous ont réservé lors de ce passage dans ces stands. Merci à vous messieurs, merci aussi à l'intégralité des tireurs qui ont participé à ces compétitions et félicitations bien évidemment aux gagnants. Les félicitations du mois de mai. Elles vont directement à un jeune tireur, le jeune Anthony, qui est allé gagner lors de son premier concours sa première victoire. Un concours 25 plateaux en fosse américaine au Cercle des Chasseurs de Puy-Ricard. Alors Anthony, félicitations, tu montes sur la plus haute marche du podium devant des tireurs bien plus aguerris que toi, avec beaucoup plus d'expérience. J'espère te voir bientôt en fosse universelle, on en a parlé ensemble et je sais que tu souhaites tirer dans cette discipline. Tu es le bienvenu et encore félicitations pour ton premier concours. Comme tous les mois, je vous ai répertorié l'intégralité des concours dont j'ai la connaissance. Sachez que vous avez toujours l'adresse mail teammonstertraptv@gmail.com pour nous faire part de vos dates de concours. Tout de suite, la liste par discipline. Voici la liste des compétitions du mois de mai en fosse universelle. Les dates de concours de la DTL. Voici le calendrier de la fosse olympique. La plus jeune des disciplines de la FFBT, la trapoile. Une nouveauté au Team Monster Trap TV dans les calendriers, le double trap. Voici les dates de Compact Sporting. Pour finir, voici l'intégralité des dates en parcours de chasse. Pour la première fois, le Team Monster Trap organise lui aussi son concours en 75 plateaux FU sur le stand de Lançon de Provence. Je vous laisse en compagnie de la vidéo de présentation et reviens vers vous après pour vous donner quelques explications. Tout de suite, la vidéo de présentation du concours Full Flash.
Vous l'avez compris, Full Flash n'est pas un concours classique. Nous avons changé les lignes et bousculé les habitudes pour vous proposer un concours différent. 75 plateaux FU, l'intégralité du concours tiré en plateau flash, et tout cela pour finir avec une victoire au scratch par une finale type FO au shoot-off sur 50 plateaux avec élimination. Alors si vous voulez passer un bon moment en notre compagnie, notre concours est disponible sur le site Inscription Web. Il reste encore quelques places le samedi. Je tenais vraiment à remercier nos partenaires pour ce concours qui ont décidé de vivre l'aventure avec nous et qui proposeront des lots complémentaires à la grille de prix classique des concours de type FU, un prix pour 3 tireurs. Voilà, vous savez tout, alors nous vous attendons nombreux et nous vous donnons rendez-vous le 1er et le 2 juin au stand de l'ensemble de Provence. Clin d'œil au stand, le Team Monster Trap TV n'a pas encore la possibilité de faire l'intégralité du Tour de France de tous les stands pour vous les faire découvrir. En revanche, vous, président de club, vous avez envie de faire un clin d'œil à votre stand, de le faire découvrir. N'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail au teammonstertraptv@gmail.com ou via Facebook sur le Team Monster Trap TV. Nous nous ferons un plaisir de revenir vers vous et pourquoi pas mettre en place une vidéo de présentation pour pouvoir la passer lors de prochaines émissions. Alors, président de club, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. À très bientôt. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses pour ce mois de mai et nous vous donnons bien sûr rendez-vous dans un mois, début juin, pour la prochaine émission du Team Monster Trap TV. En attendant, n'oubliez pas, prenez du plaisir.